Rechercher une poubelle tri sélectif, donc avec plusieurs compartiments, deux ou trois, afin de pouvoir mettre les déchets organiques, les déchets donc de carton recyclable et autres, et les déchets par exemple de verre, ou juste deux possibilités, mais vous ne savez pas quelle poubelle donc pour tri sélectif choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures poubelles tri sélectif qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, je vais vous présenter différents modèles. Certains où il y aura 3 compartiments, certains où il y aura 2. En tout cas, ce sera les modèles les mieux notés sur le marché avec les meilleures évaluations. On va voir ça par ordre de prix décroissant. Donc, j'espère que ça vous fera gagner du temps pour ce choix et il y aura tous les liens en description pour commander un des produits ou aller voir plus en profondeur. On va donc commencer avec le premier modèle qui est le Song Mix poubelle de recyclage avec une capacité de 54 litres. On aura donc trois compartiments, donc ce qui est très pratique, vous pourrez faire un compartiment pour les déchets qui ne sont pas recyclables, un compartiment pour tout ce qui sera carton, plastique, tout ce qui est recyclable, et un carton, enfin un carton, je ne sais pas pourquoi je dis un carton, un compartiment plutôt pour le verre, donc ce qui pourrait être très pratique, ou alors pour les piles, bon, peu importe. En tout cas, on a des superbes évaluations à 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 3000 évaluations au total. Donc chaque compartiment sera assez petit. Ils vont faire donc 18 fois 24 cm ou fois 26 cm, il me semble. Donc vous n'aurez pas une place énorme, mais sachant qu'il y en aura 3 au total, vous aurez quand même beaucoup de place dans la poubelle au complet, hein. La poubelle, elle fera 60 cm de large sur plus de 35 cm de profondeur et une hauteur qui sera de 82 cm tout de même. Donc ça fait quand même pas mal d'espace, ce qui sera très pratique pour votre cuisine. Vous aurez un tri beaucoup plus facile, ce sera parfait pour recycler avec des seaux pratiques que vous pourrez sortir pour nettoyer si vous avez besoin, etc. Il y aura des poignées en métal pour les retirer aisément. Donc c'est vraiment un choix qui peut être très intéressant, malgré un prix qui est relativement élevé pour une poubelle. Et bien sûr, on aura un système de pédales bien pratique pour l'ouverture. Donc c'est un choix intéressant. Pour voir plus de détails, ce sera le premier lien dans la description de cette vidéo. Un deuxième modèle qui ressemble un petit peu, c'est le Casa Pura, donc poubelle de tri sélectif. C'est quand même un modèle un petit peu moins bien noté, à cette fois-ci 4,4 étoiles sur 5. Sur un peu moins d'évolution, on aura 256 à l'heure où j'enregistre. Le prix est quand même un petit peu plus bas, mais pas d'énormes différences. Les évolutions, voilà, quand on voit, sont un petit peu moins positives globalement. Donc c'est peut-être pas le modèle que je vous conseillerais en priorité, mais en soi, c'est un petit peu le même système, hein. Vous aurez plusieurs bacs indépendants pour faire le tri. Vous aurez deux choix avec ce modèle. Il y a le modèle 3 bacs et le modèle 2 bacs. Forcément, le modèle 2 bacs sera moins cher, mais avec une moins grande capacité. D'ailleurs, la capacité sera la même que le modèle précédent pour le 3 bacs, 54 litres. Alors que le 2 bacs, on aura 36 litres donc de capacité. Bien sûr, une utilisation qui sera facile, un vidage en toute facilité. Donc ce sera écologique si vous triez, si vous permet de trier plus facilement les déchets ménagers quotidiens. Donc voilà, c'est aussi un choix qui peut être assez intéressant. Et on terminera avec le modèle Amazon Basics. Donc là, c'est un modèle double, une poubelle rectangulaire qui va ne faire qu'un. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir le couvercle, il y en aura un seul, mais par contre, on aura bien deux compartiments à l'intérieur. Donc, vous pourrez faire un pour les poubelles classiques et un pour le recyclable, ou alors un pour le verre, un pour le recyclable et votre poubelle de tous les jours qui est ailleurs, qui est séparée. On aura en tout cas trois capacités différentes. Donc, il y a 30 litres, 40 litres et 60 litres. Forcément, là, je vous présente le 30 litres, c'est pour ça que c'est le modèle le moins cher de la sélection, mais le modèle 40 ou 60 litres sont quand même plus chers. On aura des bonnes évaluations à 4,6 étoiles sur 5, ce qui est vraiment excellent, sur plus de 7 300 au total. Donc là, c'est une poubelle en acier inox avec deux récipients intérieurs, avec une pédale à pied manuelle, hein, un couvercle à fermeture douce, donc qui réduit le bruit d'ouverture et de fermeture, et aussi qui prolonge la durée de vie du produit. Ça donne un bon aspect extérieur avec le côté anti-trace de doigts, anti-tache. Donc voilà, c'est aussi un choix très intéressant, je pense. Donc voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures poubelles tri sélectif, en tout cas qui aident au tri sélectif qu'on peut retrouver sur le marché en 2023.
Comme indiqué, il y a tous les liens en description de la vidéo. Donc, si vous souhaitez commander une de ces poubelles, vous voulez voir plus de détails, voir les prix exactement, constater vous-même les évaluations clients ou plus d'infos, eh bien, cliquez simplement sur les liens en description. Ils seront en fonction de l'ordre d'apparition des produits dans la sélection. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.